Léa, MAP 7, partante pour un enfant avec son nouveau compagnon? Elle répond. Révélée dans la 7e saison de Mariée au premier regard, Léa a retrouvé l'amour auprès d'un candidat de la même émission. Ensemble, ils ont des projets, mais pas celui de donner naissance à un nouvel enfant. La jeune femme a expliqué les raisons de ce choix sur Instagram. Tout semblait coller entre Léa et Emmanuel. Unis dans les jardins ensoleillés de Gibraltar, les jeunes mariés ont d'abord vécu le meilleur entre langoureux baisers au coucher de soleil au Portugal et sessions de tatouage, avant d'annoncer le pire et leur séparation. Depuis cette rupture inattendue, tous les deux ont effacé au laser leurs souvenirs en commun pour en créer d'autres avec leur amoureux du moment. Le catalan au catogan a fait succomber Nadège Lacroix, même s'il lui mène la vie dure. Quant à Léa, sa vie avec Christophe, qui s'est essayé comme elle à l'expérience de Mariée au premier regard, semble beaucoup moins agitée, même si elle est retournée sur les bancs de l'école pour devenir audioprothésiste. 10 pas en avant et plus jamais je ne recule, avait annoncé fièrement la jeune maman passionnée par son fils. Jamie plus que tout mon rôle de mère, mais... Car Léa, comme son compagnon, partage le bonheur de s'occuper d'un enfant. Une situation qui leur convient, et qu'ils souhaitent conserver. Si Esti en tout cas ce quoi assurer la brunette à ses abonnés Instagram lors d'une foire aux questions. Alors non, d'ailleurs c'était même un de mes critères lors de l'expérience Mariée au premier regard. Je voulais vraiment un homme avec un ou des enfants qui ne souhaitent plus en avoir. Jamie plus que tout mon rôle de mère, mais je ne ressens pas l'envie d'un autre enfant, a-t-elle expliqué. En revanche, les tourtereaux ne seraient pas contre agrandir la famille en adoptant des chiens, un bébé carlin et un bébé loup. Le carlin a déjà son prénom, il s'appellera Grou. Deux salles, deux ambiances si est-il sûr, a ajouté celle qui ne souhaite pas encore déménager au vu de sa situation actuelle. Et ce, même si l'envie de me rapprocher de lui grandit de jour en jour, confie-t-elle, très amoureuse.